chers habitants de la 5e circonscription. Je profite de l'occasion qui m'est donnée de vous parler pour vous présenter deux, trois points qui me paraissent importants pour cette élection. Le 20 septembre prochain, vous avez une opportunité extraordinaire d'envoyer une vraie opposition au président Macron à l'Assemblée nationale. Pourquoi je dis ça? Parce que jusqu'à présent, en 2017, ont été élus des représentants de la France insoumise, du Front national, des Républicains. Cette opposition, elle est déjà présente, elle n'a rien fait. Le 20 septembre prochain, vous avez l'occasion d'envoyer Amélie et moi à l'Assemblée nationale. Et croyez-moi, dès le 1er octobre prochain, une fois élu, je lancerai la destitution du président Macron. Je lancerai aussi une proposition d'augmentation du SMIC de 15%. Nous lancerons le référendum d'initiative sur la circonscription, puisque la légitimité du député sur cette circonscription pourra être d'initier des projets de ce type. Encore une fois, vous avez une étape extraordinairement importante dans cette mandature Macron, c'est d'envoyer un député à l'Assemblée nationale qui vous représentera. Vous constatez tous, vous comme moi, le délitement du pays, vous voyez l'effondrement de la nation. Le 20 septembre prochain, rétablissons la France. Soyez sereins. Avec Amélie et moi, vous aurez des vrais représentants qui sauront vous défendre et qui sauront faire des propositions intéressantes. Bonjour, je suis la suppléante de Jean-Christophe Loutre, Amélie Marquer, assistante maternelle à Rouen. J'ai 39 ans. Je suis mère de famille. Croyez-moi, si je me suis engagée en politique depuis quelques années, c'est que je ne supporte plus les mesures prises par les gouvernements successifs qui nous mènent au gouffre, qui font grandir l'insécurité et la violence dans notre pays. Et il n'y a pas de véritable opposition à ce jour en France. Je suis pour une vraie contestation par l'UPR. Il est urgent de rétablir la France. Bon, vous l'avez compris, le 20 septembre, si vous habitez dans la 5e circonscription de Seine-Maritime, il faut vous précipiter pour aller voter pour Jean-Christophe Loutre et Amélie Marquer. Vous pouvez leur faire confiance. Ce sont des gens sérieux, honnêtes, sincères, qui défendront vos intérêts. Et surtout, vous devez cesser de faire confiance aux autres. Parce que si vous voulez vraiment changer la situation, il faut vraiment changer de vote.